La femme qui possède tout en elle, pour donner le goût des fêtes charnelles. La femme qui suscite en nous tant de passions brutales. La femme est avant tout sentimentale. Main dans la main, les longues promenades, les fleurs, les billets doux, les sérénades, les crimes, les folies que pour ses beaux yeux l'on commet, la transporte. Mais 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en raison qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Sauf quand elle aime un homme avec tendresse, toujours sensible alors à ses caresses, toujours bien disposée et toujours encline à s'émouvoir. Elle s'emmerde sans s'en apercevoir. Ou quand elle a des besoins tyranniques, qu'elle souffre de l'infomanie chronique, c'est elle qui fait alors passer à ses adorateurs de fichus quart d'heure. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en maison. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Les encore, les c'est bon, les continue. Qu'elle crie pour simuler, qu'elle m'entonne. C'est pure charité, les soupirs des anges ne sont en général que de pieux mensonges. C'est à seule fin que son partenaire se croit un amant extraordinaire, que le coq imbécile et prétentieux perché dessus ne soit pas déçu. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on y déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui va, le corps non plus ne bronche pas. J'entends dans les bons trains les commentaires de ceux qui font des châteaux à citerre. C'est parce que tu n'es qu'un malhabile, un maladroit, qu'elle conserve toujours son sang-froid. Peut-être, mais si les assauts vous pèsent, de ces petits m'as-tu vu quand je baise. Mesdames, en vous laissant manger de plaisir sur le dos, chantez impéto. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas.